J'ai dit. Ah! Hey, vous autres, là, est-ce que vous connaissez tous les secrets de la consigne? Hein, je vous prends de court, hein? Vous saviez pas qu'elle avait des secrets, cette coquine de consigne? Avec le temps des fêtes qui commence, ça se peut que vous ayez deux ou trois contenants à rapporter, tout au plus. Parce qu'on les rapporte, hein? On les consigne, on les retourne, on les garde pas, on se part pas une collection, là. N'est-ce pas? C'est pas de la déco. C'est pas feng shui. Non, mais pour vrai, c'est super bon pour l'environnement de rapporter nos canettes puis nos bouteilles parce que c'est la seule façon de s'assurer qu'elles soient réutilisées ou recyclées à 100%. Puis si vous n'êtes pas convaincu, c'est pas trop grave parce que j'ai un autre argument, le voici. Rapporter nos contenants consignés, ça fait naturellement de nous quelqu'un de super hip et tendance et dans le vent parce que ça favorise l'économie québécoise. C'est vrai, c'est toutes nous qui faisons ça. La fabrication, le ramassage, la revalorisation, ça! C'est sans compter que la plupart d'entre nous a déjà toutes ses dents, hein? Fait qu'on oublie la fée des dents pour se faire un petit peu de change. Qu'est-ce qui nous reste? La consigne! Sur ce, pour tout connaître des secrets de la consigne, parce qu'elle en a encore, c'est une vraie petite cachotière, visitez le site de consigneco.org/, les secrets de la consigne. Passez un super beau temps des fêtes, puis oubliez pas de rapporter, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que ça, hein?